Je vais le défendre parce que c'est quand même un élément important. Ça a été dit par mes collègues, il s'agit de revenir au dispositif de la loi TEPA de 2007, votée sous Nicolas Sarkozy. Mais au-delà de la transmission, tout à l'heure, quand j'ai entendu le rapporteur général parler de ce patrimoine qui avait été constitué, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des générations qui ont constitué ce patrimoine, qui ont travaillé, qui ont sué, et qui arrivent à un moment de leur vie et qui ont envie de le transmettre à leurs enfants. Et c'est pas mal, ça. C'est quelque chose de sain, à mon avis, que de vouloir transmettre à ses enfants un patrimoine acquis et constitué par son travail. Je crois qu'il faut rappeler des choses simples de temps en temps. Et donc, ce dispositif permet de favoriser la transmission de patrimoine ou la donation. Et nos jeunes, en ce moment, dans la période que l'on vit, ont besoin de ces donations. Et donc, ces dispositifs permettraient d'aider, d'accompagner nos jeunes dans le cadre d'un lien intergénérationnel.